Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Kling, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Direction Canada aujourd'hui pour retrouver le docteur Thomas Lalime, économiste, qui a produit une réflexion. Il l'a d'ailleurs partagée avec les internautes, avec le public. Et sa réflexion est devenue virale depuis environ quelques jours sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de nombreuses plateformes. Thomas Lalime qui a parlé dans son texte « Les exécutés de la République ». Ce sont donc des têtes bien formées qui ont été assassinées. Il imagine justement un cabinet ministériel avec ces personnes si elles n'avaient pas été massacrées. Pourquoi cette réflexion dans un contexte de deuil où l'on pleure encore le départ de Maître Montferrier d'Orval? Évidemment, avec notre invité, on parlera aussi d'une question d'actualité, l'économie, la chute du dollar, entre autres. Il est avec nous et c'est avec plaisir qu'on accueille Thomas Lalime en direct du Canada pour la première fois à la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue Thomas, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi, merci Wendell, c'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Comme tu dis, c'est pour la première fois que je participe au Point, mais je le fais avec grand plaisir. Bon, malheureusement, peut-être qu'on va débattre de sujets que j'aurais aimé dans d'autres circonstances, débattre d'autres types de sujets relatifs au développement économique, par exemple, mais c'est l'actualité qui l'oblige. On va parler de ces exécutés de la République et on va, comme tu l'as si bien mentionné, parler un peu du marché des charges et de l'économie en général. Il est vrai, cette question est personnelle. Au pas vraiment, au pas attrape moi, le film Bozoli. Économiste, non, docteur, choisi grand service à pays à distance. Mais en fait, nous avons dit que je veux dire, distance n'a pas posé problème vraiment. Et puis, si on a fait là son exemple, peut-être il y a de cela quelques années, on va imaginer que nous avons fait Le Point de Canada et tant. C'est peut-être ça qui fait nous pour faire Le Point, mais c'est peut-être ça qui fait nous pour inviter non Le Point parce que nous faisons plus ça à l'extérieur. Mais avec Covid-là montré que la technologie est tellement avancée dans tous les domaines que la distance n'a pas posé de problème encore. Et même à poser peut-être une question, si pas des Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui peut être plus utile pays de parce que ont été à l'étranger que si ont été entrés. Et texte exécuté de la République là avec il dans sens ça tout dans sens que on exemple en tête que me pense qu'on connaît tout. D'ailleurs, après professeur Samuel Pierre, par exemple, qui est professeur polytechnique de Montréal, de renommée internationale, qui sont spécialistes des réseaux que le monde connaît à travers le monde, parce que le bon paquet de brevets dans le domaine ça, haïtien qui a brevets dans le domaine scientifique, c'est pas en pile. Mais professeur Samuel Pierre, bon université, je veux dire, qui est l'ISTA, qui est à travers toute la République d'Haïti, monsieur entré en Haïti souvent. Et M. Fédéré, une série de l'autre professeur haïtien étranger que je rencontre à travers le monde, justement, à partir de Zoom, moi-même, c'est un professeur dans l'université, ça, et m'a passé sous Zoom depuis, ça a peut-être fait 5 ans, depuis m'a passé sous Zoom de Montréal et temps. C'est-à-dire, même j'en ai fait émission là, donc nous avons fait un enseignement dans l'université comme ça, et de fait, c'est ça Samuel Pierre fait à partir de l'ISTA. Donc Samuel Pierre utile pays en façon énorme avec tout contact lié dans la diaspora, dans l'université, au livre, même jeune financement de organismes qui voulaient encourager l'initiative liée.
Et puis, qu'on y a parallèlement, ce talent, nous allons parler de l'exécuter, on montre qu'il doit dire tout. Est-ce que si un professeur comme Samuel qui est entré à Haïti, il n'y a pas même son que nous allons parler de talent, il y a qu'on est en Haïti. Donc, dans un premier temps, je suis très mal à l'aise parce que je suis venu pour me rester au Canada, sincèrement. Je suis venu pour me faire doctorat, je suis venu pour me faire maîtrise en économie du développement à l'Université de Montréal et retourner à Haïti. Je suis venu pour un projet en Haïti, un projet sur le plan personnel que je suis venu avec deux ou trois amis. Il se trouve que il y a deux amis, il y a un qui n'est pas dans la liste que je fais là. C'est un ingénieur que nous avons un projet avec pour nous faire des logements locatifs ensemble. Et puis, un bon matin, pendant que nous avons un site qui est à Haïti, pendant que nous avons entré dans la soirée, et puis mal soir à l'État Haïti, nous avons regardé ce monsieur exécuté, par exemple. Mm-hmm. Et puis, mon deuxième ami, encore cette fois-ci, qui est dans la liste, que moi j'ai commencé à parler à monsieur sur qui modalité cap gain pour financer projet que me dégage ensemble même ingénieur d'ailleurs monsieur j'aime te écrire parce que tu mentionné ingénieur c'était ingénieur Maslin comme un chauffeur un policier qui me dit non son ingénieur très connu qui était très proche moi à l'époque le était assassiné monsieur avec ingénieur Maslin me guito tout ce que me dit assez proche dans BNC. Je me demandais quelle possibilité il y a pour un bon projet avec un ami pour faire le financement de la BNC. Quelques mois après, je finis d'exécuter ingénieur, je vais l'exécuter, Guito Toussaint. Et finalement, c'est découragement total capital qui fait ne pas réfléchir à un projet encore. Et à un certain moment, je commence à me dire est-ce que je m'abtourne? Et finalement, moi, j'ai été jusqu'à aujourd'hui, là, on a fait une mission au Canada toujours, et peut-être que j'ai beaucoup appris. Mais écoute, je dis tout ça, c'est parce qu'à un certain moment, j'ai été très mal à l'aise, parce que je n'ai pas pu m'arrêter. Mais là, j'ai rencontré des gens comme Samuel Pierre au Canada, par exemple. Et moi, ça, je suis fait de l'extérieur étant. Moi, je dis peut-être que peut-être que j'ai été pas poser problème. Et au Canada diaspora, mais bien que moi j'ai considéré être comme diaspora vraiment, d'ailleurs, je participe dans tout le débat qui a fait dans le pays, j'ai toujours été très informé du pays. Donc, on doit aller à l'extérieur du pays et puis. Pour toujours tout utile. Aussi utile qu'au monde qui est dans le pays, pour ne pas dire même plus utile, même dans certains cas. Alors, message qu'on devrait faire passer à travers cabinet imaginaire, ça, c'est de faire quoi que. L'innécessaire aujourd'hui, hein, que t'as on sorte de halt là, on faut que t'as campé sous question exécution de personnalité, de monde qui était capable de monde qui bien formé et qui était capable contribuer dans le progrès pays d'Haïti. Est-ce que l'idée en c'était ça? Exactement. Non, c'est pas fait. Premier aspect, c'est garder pour qui ça nous perdu avec monde ça. Et dans le commencement texte, par exemple. Si vous regardez presque tout commencement texte là, presque lié à professeur Doval lui-même. Pour qui ça, c'est parce qu'au début, je me fais commencer à écrire texte, je commence à écrire un texte pour montrer que perdu ou ressource pour mettre Doval en Haïti, qui j'ai son père capital, qui j'ai la prête pour nous remplacer M. Doval. D'ailleurs, je pense que tu as parlé encore mieux de M. Doval parce que Le après assassinat, moi allé sur YouTube plusieurs fois pour me chercher en pile intervention monsieur Tapé dans nous tombé sur un pile invité côté faire avec Doval et c'était des bagages très passionnants et oui. Même l'émission ça va finir on senti ou même on était toujours bon on sentiment qu'on t'a rien mais continuer discussion toujours tellement c'est un invité très convaincant en fait donc nous avons commencé article 1 sous question de M. Doval, là, comment c'est expliquer qui ça s'apprend pour mon arrivé dans le niveau compétence de M. Doval, ça prend un talent, on t'a dit pratiquement inné en Haïti, on aurait laissé un don pour nègre fort depuis le petit. Et de fait, où elle va l'expliquer, non, l'autre émission que l'on a fait à Jean-Baptiste Remaré, dans l'analyse, côté que l'on a expliqué que les boursiers dans le processus de bourse que l'ambassade de France a organisé, examen sorti en France, là, le composé l'ambassade de France, examen à le corriger en France, et puis le retourner à résultat, les lauréats. En plus, monsieur dit, le lauréat, il faut que l'on remette mémoire
dans la faculté de droit. En même temps, toutes les sciences humaines, monsieur dit qu'il a travaillé pour un congé un mois. Dans six semaines, il a écrit deux mémoires. Une mémoire pour la faculté de droit, une mémoire pour la faculté des sciences humaines. Alors, là seulement, ça montre qu'il y a un niveau talent, mais il est professeur. Dans le sens que je veux dire, là, tout le monde qui est dans l'université de l'État, qu'on est fait un mémoire dans l'université de l'État, il y a un peu d'étudiants qui finissent par jamais faire parce qu'on estime que son bagage est très compliqué. Bon, monsieur lui-même, il dit en six semaines, il est arrivé à faire deux mémoires. Ça, il dit dans trois semaines, sauvé, sous ta garde le ça, dans trois semaines, il faut mémoire pour chaque, pour faculté de droit, dans trois autres semaines, il fait une pour faculté des sciences humaines. Bon, en plus, là, l'étudier dans le pays étranger. L'alphine étudie qu'on y a, il par contre, il rit, il cherche opportunité côté de terre, il rentre dans le pays, l'elle rentre dans le pays, la pensée, la pratique et le droit. C'est tout processus ça, cheminement ça, qui vient de bas après une trentaine d'années, ou bien même après une quarantaine d'années de formation universitaire, d'enseignement et d'expérience de la pratique du droit, qui vient de sommité, soit égayé à la réexécuter. Pour qui ça me dit tout bas, c'est parce que on met d'oval pas courir dans la rue, tant qu'on a dit, on paraît devant, soudainement, là, après l'émission, et pour tomber sur on met d'oval comme ça, là, prend temps. Pour l'autre monde qui a une compétence de mettre d'oval. Bon, ça me dit vrai pour mettre d'oval, mais le vrai pour l'autre monde qui est dans la liste que je cite en tout. L'idée, en fait, pour m'aller sur l'autre monde, c'est parce que pendant mon travail sur mettre d'oval, pour me faire un titre seulement sur mettre d'oval, là, et puis pour pas que l'autre nom tout cas passe dans la tête. Mm-hmm. Évidemment, si je juste mettre une liste concernant l'article, là, peut-être pas faire l'effet que le faire. Et puis, le moi, tout nom, ça vient dans la tête. Moi. Et puis, il me dit, bon, je cherche une façon originale pour moi présenter, pour me retirer la question seulement sur M. Doval, parce que, au sens, j'ai même j'avais moins d'elle. L'a exécuté au monde de Antoine Isveri, par exemple. Mm-hmm. Donc, dans l'église sacrée, l'a exécuté Mireille Durocher-Bertin, l'a exécuté Guy François Malari, qui était ministre, l'a exécuté avec. Ils ont exécuté la toute garde du corps, la toute chauffeur. Donc, c'était des bagages spectaculaires au monde de Félix Lamy. Donc, tout le monde, là, ça n'était pas choqué. Et tout le monde, bon, je ne vais pas même citer Jean-Dominique, tout le monde attend que la justice fait la lumière. Tant que je veux dire, on attend que la justice fait la lumière sur M. Doval. Mm-hmm. Malheureusement, je veux dire, pas jamais qu'il y a qu'un procès qui fait pour le monde. Et nous devons aller encore. Aller encore après, avant 90 et retourner encore plus loin. Donc, je veux dire, si nous ne pouvons pas comprendre pour qui sa justice pas jamais fait sur tout le monde, ça yo, et puis nous demandons pour justice faite pour M. Doval, ce qui doit pas être un exercice assez illusoire, c'est ça qui fait profiter de ce constat de M. Doval là pour remettre ce qu'a l'autre monde ça yo sous tapis. Hein, pour provoquer réflexion, un, pour montrer qui s'en perdu, c'est ça que me fait tout râler ça, pour montrer qui s'en perdu avec l'assassinat de M. Doval et l'autre monde. Mais en plus, je veux dire, pour sensibiliser, pour dire, ça halte là, ça pas qui doit continuer à faire encore. Ou bien, comme nous ne pouvons pas avoir une possibilité pour nous empêcher ça, fait, si ça continue à faire, je l'ai fait là, conséquence à tenir face au pays. Hein. Première conséquence, c'est que tout, en pile, le monde qui a complété M. Doval a blé. Peut-être rester à l'extérieur du pays. Je veux dire, il y a plus de 85% universitaires qui fuient le pays pour plusieurs raisons, la guerre et l'insécurité. Et puis, deuxièmement, ça qui est dans le pays qui est arrivé tourné, il doit dire que vous allez mettre quoi sous côté pour éviter dans le point ou pas venir parce que vous ne voulez pas émettre opinion et puis il y a des gens qui comptent opinion, leur sortie de l'air, tirer. Ou bien qui dit que les affaires politiques, c'est pour l'autre monde, même point de vue, ils n'ont pas pu s'exprimer. C'est ça l'idée, en fait. Mm-hmm. On allait sous cabinet, hein, et j'en concevoir, et j'en pensé, j'en réfléchi. Et selon vous-même, bon, même si que me des réactions qui est pas tellement positive que me guette enregistré, par exemple, on dit toi qui dit que c'est presque travesti mémoire, on sait de monde, dont mémoire Maître Doval, qui lui-même pas de jambe gain. Quand dit velléité politique d'ailleurs il même dit que et c'est comme si d'adieu on mettait de l'eau dans moulin monde qui ou encore assassin qui dit que bon écoutez c'est archi faux Wendell c'est archi faux pour dire et mon frère Doval pas de jambe de velléité politique ou il doit dire que
M. Doval n'a pas de intention pour te occuper poste politique. Mais d'ailleurs, je vais bien expliquer dans le texte. Si on, quoi de plus politique pour que on a demandé pour un changement constitutionnel? D'ailleurs, je vais expliquer ça dans le texte. Si on a demandé avec autant de d'ardeur pour un changement constitutionnel, c'est que, un, il y a un projet de développement dans la tête, li, et puis deux, il estime la constitution telle que l'exprime aujourd'hui, hein, pas permettre nous arriver implémenter projet de développement ça que le gagner que vision que le gagner pour Haïti justement. Mm-hmm. Donc pas rien qui plus politique que de telles démarches. Qu'on y a, est-ce que lui-même l'idée maintenant tête lui que le changement constitution là joue un rôle et au niveau de l'État ou pas, ça c'est l'autre question. Je ne vais pas prêter l'intention, je ne vais pas entrer dans la logique ça. Mais ça, ça m'a dit là tout simplement, c'est que démarche, mon frère Doval, pour être soutenu en fait, du bec et des ongles, on changement constitutionnel. Là, c'est une démarche éminemment politique que nous. Deuxièmement, le fait que M. Bâtonnier de l'ordre, et pour tout ça, on a dit tout à l'heure, là, sous question impunité qui vient d'un pays, on vient sous question dysfonctionnement système judiciaire. Dans un contexte comme ça, on a choisi de bâtonnier de l'ordre sans décision politique. Li. Décision politique, peut-être pour le dire, peut-être que si le ministre de justice, il n'y a pas des instruments aussi efficaces pour agir sous justice là, que comme bâtonnier de l'ordre. Et que comme bâtonnier de l'ordre, nous avons même temps dit que nous souhaitons à cœur pour mettre l'ordre dans l'exercice profession d'avocat. Elle a commencé déjà. Elle a commencé déjà. Bon, bien qu'on peut préciser ça. Et je veux dire, là, on n'a pas gagné un système judiciaire efficace qui a fonctionné bien. Sans ou pas dire l'autre qui vient dans l'exercice profession d'avocat. Depuis le fonctionnement avocat, même qui moun qui est avocat, qui est-ce qui n'est pas avocat, qui ça pour bien pour venir avocat, c'est tout ça, c'est des décisions qui ont une implication politique énorme. Et dans ce sens, on a même bien droit de dire que post-bâtonnier dans ce sens-là, rôle beaucoup plus important pour jouer dans la réforme judiciaire là, qu'on est ministre de justice, par exemple. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'auditeur ou le téléspectateur ça du tout. Pour le David, il fait connaître que c'est nous qui avons prêté M. Doval des intentions politiques. Action M. Doval. Bon, je vais vous dire que c'est encore plus important, Wendell. Mm-hmm. Le fait qu'on finit d'étudier à l'étranger ou tourner à Haïti sont décisions politiques liées, à niveau M. Doval, là, dans niveau pour dire que ça qui a passé là, je vais le mettre même à la patte pour moi qui j'aime gagner des changes. Son action politique que liée. Pour nous, est-ce que vous souhaitez une intention pour le vivre, président de la République, pour j'aime mettre dans le texte? Et pas ça, je ne vais pas parler avec sous ça, je ne vais pas dire ça. Tout comme tout, il te dit le contraire ou plus. Il n'est pas content de le dire aussi pour l'occuper pour ça. Avec la seule différence, c'est toujours précisé qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais justement, c'est parce qu'au-dessus de la mêlée, on connaît son décision politique tout lié. Son décision politique, oui. Pour dire lui-même, s'il a occupé en fonction, il n'est pas occupé fonctionnaire de façon partisane, mais là pour l'intérêt public, et ça me décontent d'elle. Et en plus, mon Bralzo encore, le jour même qu'il a assassiné M. Doval, M. Doval dit « Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays ». Bon, qui décision politique, qui position politique qui est plus fort que ça? Mm-hmm. Que je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays. Ça veut dire, réflexion après, ce n'est pas des réflexions pour défendre des intérêts mesquin ou partisan et personnel, mais c'est des réflexions au service de la nation, au service du bien commun, au service de l'intérêt commun. Bon, ça, bon là, moi pense que Thomas Lalime. Pour finir sous point ça, juste avant, Wendell, sous point auditeur, parce que je n'ai pas souhaité que c'est auditeur lui-même qui mal comprend l'exercice là. Et qui fait on qui tordit bah là dans le sens que nous-mêmes moi-même avant là nous pas pour y atteindre. Mais pour me finir sur point ça, c'est qu'on est aujourd'hui on est au-dessus de la mêlée. Soit aujourd'hui on est qui dit pas n'importe qui, il plane au-delà des partis.
Si je veux dire que la constitution ça y est, il mérite de changer. Parce que côté nous voulons aller en termes de développement, la constitution ça qu'on n'a pas permettre nous faire. Si je veux dire la justice, notamment dans l'exercice professionnel d'avocat, pour nous mettre l'ordre, elle prend une décision pour participer dans mettre l'ordre là. Vous devez poser auditeur la question, qui est l'autre profil ou pensez que vous avez fait mieux au président de la République qu'on est comme ça qui plane l'audition d'Amélie, qui a toute compétence sans ça, là et qui a toute détermination ça pour participer à changement dans le pays. Alors ça qui est bien, c'est que l'auditeur là, lui-même, lui préciser que c'est à prêter les intentions ou encore bail monde qui mal intentionné aux raisons en faisant croire que M. Doval était candidat à la présidence. Alors je ne vais pas dire ça tout à l'heure. Non, ça qui vient passer, c'est que les gens qui sont mal intentionnés, ou t'as qui doit dire, les gens qui sont mal intentionnés à Wendel, pas gagner nous dit là que le papa essayait, il va essayer de dire et mettre dans le contexte, qui mettre hors contexte de ça qui dit là. Donc, moi-même, le map pour intervention publique, pas vraiment trop considérer les gens qui sont mal intentionnés, nous pas gagner nous contrôler. Les gens qui sont mal intentionnés, il y a prêté Wendel 10 000 intentions, il y a prêté 10 000 intentions, il y a prêté M. Doval 10 000 intentions. Mais je veux dire, ça n'a pas la bagarre pour ça. Au contraire, c'est ça que je suis content pour m'étayer, pour montrer que j'ai position M. Doval. Sans que M. Doval peut-être pas dit qu'il voulait occuper tel poste électif ou au niveau de l'État, mais action que l'entrepreneur, c'était des actions qui étaient des impacts et des conséquences politiques positives sur le pays qui étaient extrêmement importantes. Dans ce sens-là, ou pas qu'à dire, mais non, on va pas faire politique. Alors là, on parle de fait qu'on ne participe dans le point seulement, Wendel. Mm-hmm. Même si c'est une question technique, la PC est élucidée, ou pas qu'à dire, c'est pas une action politique liée, en fait. Mm. Bon, là, on nous dit que Thomas Lalim, ou même ou camper derrière politique dans sa définition, mais dans son étymologie classique, même si vous voulez. Donc, politique là, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Je vais en présenter là, et c'est ça que lié. Mais en Haïti, il y a une la politique est perçue autrement. Au point où. Non. Oui, alors, en Haïti, tel, non, mais qu'on la pratique. C'est pas comme d'adou, si on fait le point, en fait, c'est pas qu'on a le point, moun wap évite yo, wap évite des moun qu'on pense qui pral au-delà du sens commun, ou bien de l'opinion qu'on va connaître sur qui ça le fonde. Moi-même, toujours contre l'idée comme si moun yap dit, ok, y'a la science politique, y'a définition étymologique là, et puis en Haïti, n'y a pas fait par yo, t'as comme d'adou, si on invite moun dans le point, m'a parlé de politique, nous suppose à parler de des autres négatifs dans la politique et puis qui t'a voulu faire mon comprendre que c'est ça la politique là. M'a pas l'impression tout que M. Doval qui était dans le niveau M. Doval qui est là, invité là, le point était jamais considéré politique là, c'est ça négatif là, c'est des autres négatifs. Mais nous même n'a pas parlé de politique en termes de la gestion efficace et optimale de la cité, et n'a pas parlé de politique tout, dans le sens qu'on a goûté qu'il ne doit pas jamais occuper un poste dans la fonction publique, un poste électif du tout, tant que peut-être Jean-Marc Doval, sans que nous ne pas minimiser le fait tout que M. Doval ait une consultation avec l'organisme public et peut-être de différents courants de pensée politique. Hier, on lecteur qui lit l'article qui va commenter pour moi, qui dit M. Doval est consultant dans le CNMP avec Robert Marcelo et M. Dim lui-même tout le travail dans le CNMP. Deux nègres, c'est des nègres qui collaborent très bien, M. Doval et Robert Marcelo, par exemple. Ça, ils ont soufflé. Souvent, on doit considérer comme des actions politiques. Tout. Donc, c'est auditeur qui est cool, hein, vraiment pas prétendre pour comprendre ce qu'on a dit, ce qu'on a discuté. Hein, et vraiment, peut-être, j'en dis, hein, prendre politique là, pour juste un bail banal ou bien trivial, ou bien même en question vagabondage, les gens qui sont dans ce fait en Haïti, alors que nous-mêmes, on a parlé au sens le plus noble du terme, et on a parlé tout du fait que politique là, qui est en Haïti, qui est dans tout notre pays, politique là, ça c'est orienter tout notre bagaille. Si politique là mal fait, comme c'est le cas en Haïti, là mal fait, tout le reste bagaille vient à marcher mal parce que
politique la marche mal justement. Et dans ce sens ça, contrairement à sa auditeur, avec sa auditeur à voyer Zolan, de préférence, il faut nous encourager, je veux dire, que des gens qui nous mettent d'oval prennent à la fois assumer responsabilité et assumer prend des actions, non seulement en dehors de sphère politique, tant que j'appelle Noval d'appel, mais au niveau de sphère politique, là, tout en fait. Nous parlons de pause là, et puis là, nous retournons Thomas Lalim. Nous avons consacré entre 3 et 5 minutes pour un rappel, si tu veux, des personnalités assassinées et qui t'a formé cabinet ça. Parce que nous citons quelques noms, même sûr que ce n'est pas toutes. Nous avons entre 3 et 5 minutes consacré à ça. Mais c'est l'un tourné après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Thomas Lalim est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Truly Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce jeudi. Notre invité, le docteur Thomas Lalim. Au Paris pour une présentation, je dirais, brève de ce cabinet imaginaire, je dirais. Oui, en fait, c'est... J'en ai dit là, peut-être c'est bien mon niveau pour l'Islam. Nous devons avoir quelques noms. Évidemment, peut-être que nous n'avons pas bien temps pour nous... Élaborer un peu sur les... pour nous élaborer sur chaque monde. Mais ça, pour Samdaï, mais souligner pour mon cap suivi, c'est que chaque nom nous cite, nous justifions clairement dans le texte. Par exemple, nous avons commencé avec le professeur Montferrier Dorval comme président de la République. Et je nous ai dit là tout à l'heure, sauf à ça, je dis à nous besoin des présidents de la République qui est au-dessus de la mêlée, qui pas dit si il y a qui fait fraude, qui mérite sanctionner nos partis, comme c'est parti PAM, maintenant, quand c'est fait couvrir ça, mais m'a gardé l'autre qui n'a qu'un adverse. Nous besoin d'un président de la République qui est au-dessus de la mêlée, un président de la République tout, qui représente de la République dignement en Haïti comme à l'étranger. Je pense que ça, c'est des profils que. Mon joint dans mettre mon fini d'oval. L'autre question en tout, c'est que, contrairement à ça, et auditeur à TV et Wendell, nous pas forcément dit ça, mon yon te l'intention fait. Est-ce que mon yon te l'intention fait politique ou pas? L'autre question, c'est que mon qui pas voulu faire politique, qui bien formé, ou pour qui ça, ou pas voulu faire politique là tout. Ça, c'est important pour nous réfléchir sur ça, mais c'est pas objectif, émission, je dis, nous va parler de ça. Par contre, exercice ça veut dire moun sa yo pour moi même te ka utile nan niveau sa yo et pour qui ça raison yo bay nan texte là moun yo ki doit joindre texte là dans édition nouvelle du mardi de cette semaine ou bien sur page Facebook moi ou bien sur page et Twitter sur qui c'est Lalim_Thomas. Nous partons avec le président de la République Montferrier Dorval, premier ministre François Guy Malari, qui était ministre Justice sous le gouvernement Robert Malval, qui travaille sur la question de séparation de la police et de l'armée. Donc, sauf les messieurs qui travaillent sur l'acte de naissance de la police, nous avons aujourd'hui, hein, qui vient de vivre en cours de route. Et tout le monde, ça nous cite, nous allons citer là, pour qu'on ait dit, c'est qu'un jour ou l'autre, il a été exécuté. Par exemple, 14 octobre 1993, François Guy Malari, de l'absolute dans le ministère, même dans la machine ministère, avec agent de sécurité, le chauffeur, il a exécuté. Mireille Diouache-Berté me dit qu'il a fait un bon ministre de la Justice. C'est un avocat très bien connu. Évidemment, il y a des gens qui disent qu'il était pro-putschiste, le coup d'État militaire. Là. Il était qu'on a défendu militaire, mais ce n'est pas ça qui intéresse nous. Moi, je me dis de préférence que le second gouvernement côté. Guy Malari, comme premier ministre, qui était descendu de Slavalas, et pour bon, l'autre ministre de justice, qui était descendu de Duvalier, sous même propos, vous êtes équilibre que ça t'a prétabli pour le monde qui Duvalier, il ne s'est pas dit que son gouvernement
qui fait contre eux, qui va le persécuter, par exemple. Il y a une certaine garantie et confiance à partir de, de Mireille Diouche-Berté. Je prends Guito Toussaint comme ministre de l'économie et des finances. Guito, plus moun konnen comme moun qui te fait sauver BNC de la faillite, mais avant Guito tal nan BNC, Guito te directeur général ministère finance. Donc, on dit tout avec expérience, monsieur, dans direction générale ministère des finances et comme président conseil BNC, qui comprend le fonctionnement secteur bancaire, monsieur te kafon excellent ministre de l'économie et des finances. Et où songe Lwendel, on dimanche après-midi, qui était 12 juin 2011, il y a entre la caille Guito, donc c'est très résidentiel, côté n'importe qui ne va pas rentrer, il y a l'exécuter la caille. Mais la question de ça qui t'intéresse dans la caille Guito, c'est que je ne peux pas parler à Guito. Dès qu'on dit Guito, soit ce que tu fais pour BNC, qui possibilité pour faire même bagarre pour toute notre institution, l'État qui a périclité, donc EDH, donc Téléco à l'époque qui peut te convaincre. Et. Dans quel niveau tout comprend pour prendre responsabilité pour aller mettre l'autre dans l'autre niveau, à un niveau beaucoup plus élevé dans le pays. Après ça, M. Michael Lucius, qui dit que M. Tekafon, bon, ministre de la Défense et de la Sécurité publique, M. T. DCPJ, M. T. Bay résultat dans le DCPJ dans un domaine, dans un contexte environnement qui est très difficile. M. T. son avocat de formation. Donc, M. T. allié à la fois droit et. Question expérience que le gagne dans médecin dans rétablir l'ordre et sécurité. Mais tant que j'en songe Lwendel, on dimanche 1er décembre 2019, pendant que M. Avadré Lakaeli, il a exécuté le monsieur pour une dizaine de balles en Rion. Robert Marcelo me dit que M. Tekafon, bon ministre de planification et coopération externe, M. c'est ancien directeur général CNMP. Et son aiguille était comme très rigoureux et honnête. Et monsieur était très rigoureux sur l'application principe de passation de marché. Dans la dernière année, ça, le ministère de planification joue un rôle très important dans la question de passation de marché parce qu'il n'y a pas de gros contrats qui passaient sur le ministère plan. Donc, on dit tout, un ingénieur qui maîtrise un pile dans le domaine que le contrat ça a passé et qui en plus maîtrise la question de passation publique, c'est qu'il y a un bon ministre de planification dans le jour ça. Qui peut-être qu'a évité nous toutes sortes qui parlent, qui y a reproché dans la question Petro-Caribe. Malheureusement, 12 janvier 2009, M. Porte est disparu jusqu'à aujourd'hui. Famille, M. Bagan, quelle idée de ce qui passe. L'autre, nous, il peut-être qu'il y a vite, nous allons comme Alix François Gaïa, Alix Antoine Gaïa, comme TPTC. Monsieur son ancien étudiant faculté des sciences, il était professeur faculté des sciences pour étudier la 4e année de génie civil. 22 mai, pendant que monsieur a sorti pour des actions dans la banque et exécuté. Jean-Dominique nous dit monsieur Tekafon, bon ministre de l'agriculture. En pile, monde connaît Jean-Do comme journaliste célèbre, éditorialiste, analyste politique, mais oubliez que monsieur c'est un agronome de formation. Et c'est peut-être pas sans raison que Jean-Do a gagné toute affinité ça pour. Mouvement paysan pour agriculteurs et qui est senti aussi proche de monde qui débute parce que classe paysanne, son classe qui est quasiment exclue dans le pays. Donc, monsieur, tu as peut-être bien trouvé le ministère de l'Agriculture, mais Jean Dotou, on ne peut pas dire Jean Dotou pas intéressé à la politique. Jean Dotou a fait un bon premier ministre ou un bon président de la République. Tout d'ailleurs, il a traité monsieur des intentions présidentielles que le développement président. Nous avons François Latour comme ministre des Affaires sociales et du travail. Évidemment, François Moun plus qu'on aime comme publiciste, comme acteur ou homme de théâtre. Mais, ou même, qui dans la presse longtemps, Wendel, ou qu'on est, théâtre là longtemps, c'était presque un prétexte pour c'était une forme d'engagement politique que le pays. Des anecdotes qui ont plu, mais Vance Paul, des anecdotes qui ont philo, de regret de mémoire. L'exot a fait théâtre, mais théâtre là, c'était comme un couvert. Oubliez Franck Etienne, oui. C'est politique. Donc, oubliez Franck Etienne. François Latour, tu as vraiment une sensibilité politique, sociale, qui fait que le Décafon bon ministre des Affaires sociales. Nous avons Félix Lamy comme ministre de la Culture et de la Communication. Tout le monde connaît talent Félix, ni dans l'animation, ni dans la communication. Et je veux dire, la communication joue un gros rôle, dans le sens que je veux dire, même ça, l'autorité a fait qui bien, ils n'ont pas arrivé à communiquer bien sous eux. Donc, dans ce second acte, Félix, qui est très percutant, qui est très convaincant,
il est utile au gouvernement sérieux qui a des actions positives que la fait que veut se communiquer à la population. Malheureusement, le 10 décembre 1991, pendant Félix, en deux studios, après émission, on commande d'entrer au grand Félix et à la veille jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre ça qui est passé. Même quand Félix ne va jamais venir pour l'ingénieur Marcelo. Nous avons la voisine pour le ministre de l'Éducation nationale, peut-être que nous allons plus vite, nous allons faire une description. Nous prenons Farah Martine Lerisso comme ministre à la condition féminine. Deux mouns ont exécuté ensemble la le 15 juin 2020 et entrent dans la l'exécuter. Nous prenons Vela Bellamy comme ministre commerce et de l'industrie, monsieur Tegon maîtrise en administration publique. Il y a l'École nationale d'administration publique à Montréal, au Canada. Même l'école côté Zamim Yves Lafortune de faire maîtrise par l'administration publique. Tout. Nous pouvons profiter de saluer que nous travaillons ensemble dans l'IPP, même de l'extérieur, étant pour qui j'ai une question politique publique, là, car il y a une question qui intéresse et décide et opinion publique en Haïti. Ou prend monsieur en licence en sciences politiques et sciences économiques, ou dit monsieur Teka très utile dans le ministère du commerce. On est avec Jacques Roche, côté qu'on très bien Wendel, mon de plus qu'on Jacques comme poète et comme grand fan de la littérature, mais Jacques, tout c'est un grand sportif. Jacques Dereté, un co-présentateur de l'édition sportive sur Radio Ibo avec le sénateur Patrice Dumont, France Exil, monsieur Sayo, ou dit ça non. Donc, M. Tegui doit mettre toute fougue, toute passion au service de mon ministère, tant que ministère de la jeunesse et des sports. Antoine Isbéry, comme moi, dit M. Tegui, pour bon ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger, parce que mon qui oublie, M. Tegui était un riche homme d'affaires d'origine palestinienne. M. Tegui était un fan inconditionnel du président Aristide Diop, dit qu'il était financé et de façon significative campagne président Aristide. Malheureusement, en 1993, monsieur était un frère qui était engagé bon côté qui était le Georges Berry qui ont assassiné tout et l'année suivante le 11 septembre 1993 pendant Antoine Berry n'ayon émis en fait n'ayon messe dans l'église Sacré-Cœur de Turjo. Il y a un très grand monsieur dans mes sens pour l'exécuter de l'église. Et puis pour finir, nous prenons un monde de père Jean-Marie Vincent. Nous disons qu'il était un bon ministre des Affaires étrangères et des cultes. C'est un prêtre engagé, tout le monde connaît. Et malheureusement, qu'on va l'exécuter sous vos machines, on l'a pas de la patrie. La caille du côté de l'État. Évidemment, en aucun cas, je ne prétends pas à une sorte d'exhaustivité. Il y a une quantité d'autres monde qui mourent, qui étaient là. Et bon, dans l'article, il y a une omission de taille que je vais corriger, c'est le ministre de la Santé publique qui est là. Et il y a aussi deux noms qui sont très valables. Il y a aussi un nom, Harry Bott, qui est écrit au manuel d'hygiène, que tout le monde longtemps a utilisé dans l'école primaire. Qui ont été exécutés tout. Il y a l'autre monde qui c'était non pour moi, un docteur Joseph, qui était directeur général de l'ONA, qui a été en travail dans le FATMA, et puis pendant l'apprentissage de la CAELI tout. Exécuter, monsieur. Donc, liste très longue. Oui. Alors, excusez-moi, Thomas, excusez-moi, c'est vrai que liste très, très longue. Donc, quand docteur Harry Bott, là, je me souviens, c'était sous route, non loin du carrefour de l'aéroport, qu'il était assassiné. Maintenant, et pour nous conclure rapidement, partie ça dans l'émission, parce que nous n'avons pas pris le temps du tout devant nous encore, et à 30 minutes, ça c'est fini. Et nous remarquons que tu as un pile reproche qui était fait à régime Duvalier pour le fait que tu as trop d'assassinats politiques, évidemment, qui étaient faits sous lui. Mais nous, de 1986 à nos jours, sous gouvernement militaire, ils ont assassiné les gens, ils ont enlevé les gens. Sous gouvernement Lavalas, ils ont assassiné les gens. Sous gouvernement président Préval, ils ont assassiné les gens. Jean-Dominique, son exemple. Et sous gouvernement et, Michel Martelly, ils ont assassiné tout. Et enfin, sous gouvernement Jovenel Moïse, ils ont assassiné les gens. Donc ça veut dire que le problème, non, qui côté le sorti, un peu de monde après, ou même. Est-ce que le problème, c'est. Oui. Et nous devons continuer l'exercice sur ce fait pour toute l'histoire d'Haïti et remonter juste à l'empereur de Saline qui a assassiné en 1806, deux ans après l'indépendance. En fait. Donc,
L'idée, bien content qu'on fait remarque ça, elle est extrêmement importante. Et c'est ça que fait, nous n'avons pas de limiter l'exercice ça à un certain idée de cabinet ministériel et tel monde qui va être d'intention politique, qui va te souhaiter là. C'est du tout pas ça l'objectif. Mm-hmm. L'objectif là, c'est comprendre, justement, je vous dis que. Je veux dire, là, c'est Jovenel Moïse qui est président. Évidemment, il y a une responsabilité pour le faire, la lumière sur ce qui passe sous Maître Dorval. Mais, j'en saute dire, là, nous limité l'exercice à la période post-90, mais on monde qui a fait même exercice pour Jean-Claude Duvalier, même exercice pour François Duvalier, ou bien même exercice pour l'histoire d'Haïti dans son ensemble. Mm-hmm. L'idée, c'est que son pratique liée finalement dans le pays, indépendamment de qui gouvernement, gain assassinat politique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est des crimes d'État, c'est des crimes politiques que vous avez? Je ne peux pas avoir une réponse exacte à la question que vous posez. Il est difficile, difficile tout pour gagner réponse à yo dans la mesure où enquête yo pas jamais abouti, quel que soit enquête qui lance son cas d'assassinat, il peut buter sous un obstacle, la camper là. Donc on va pour ça a commencé. Donc ça vient déboucher sur l'autre aspect en question et la justice en Haïti qui c'est impunité finalement. Mm-hmm. Impunité qui vient faire que, je veux dire là, on doit poser cette question, pour qui ça crime ça continue à faire à chaque gouvernement? Mais il y a un élément de réponse, c'est que si pas gagné qui fait contre criminel, et contre le monde qui veut assassiner le monde, a toujours donc, on va comprendre que c'est un son licence yo ba moun yo pour continuer touyer l'autre monde comme ça. Et ça para deux continuer comme ça. Merci ça tout. Ça doit continuer comme ça. C'est ça. Merci Thomas Lalim pour pour travail là qu'on fait qui aide qui voye un peu monde à réfléchir. Par exemple moun yo a dit hey, pour qui ça il est obligé à assassiner des monde qui connaît? Pour qui ça il est obligé à assassiner des monde qui est capable utile payant? Il faut que cela cesse. En principe, c'est comme ça qu'Haïtien doit réagir après un travail comme ça qu'on finit réaliser. Thomas Lalim, on passe sur l'autre point, et parce qu'il faut nous tenir compte de la vie. Et aussi, je dis, on a besoin environ 84 gourdes pour un dollar. C'est pas comme ça le dire, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Ou même en tant qu'économiste, est-ce que vous gagnez une lecture de situation ça? Ou encore, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose, Thomas Lalim? Mon cher, ça. Bon, bien écoute la question, et c'est peut-être que nous avons commencé à parler d'un domaine qui est dans la compétence. Peut-être que nous n'avons pas besoin pour nous faire une élaboration, mais si vous voulez, nous devons faire n'importe l'autre et le point sur la question ça en général. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour me carré pour nous, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui, hein? Forme en mesure pour me dire, est-ce que dans 3 autres semaines, qu'a vini, yo, l'a toujours 84 gouttes pour 1 dollar. Hier, t'es qui m'a quitté même affiché 81 gouttes à l'achat et 83 gouttes à la vente. Évidemment, ou t'as dit, m'étais qu'on article sur ça, semaine dernière, là, que m'étais dit, sont éclaircies. Mais sont éclaircis au niveau d'une tempête. Pour que ça dans un niveau d'une tempête, c'est parce que si on remonte peut-être à 4 semaines de cela, nous avons atteint 123 gouttes. Évidemment, ou pas, la difficile pour jouer des explications objectives au fait que nous avons 123 gouttes il y a de cela 3 ou 4 semaines et que je dis qu'il est affiché 81 gouttes. On y a en même temps, on a dit son bonne nouvelle, on a garanti que la prête est comme ça, dans le prochain mois qui vient là, ou bien dans l'année qui vient là, que ce n'est pas juste un phénomène que nous avons observé à très court terme, mais c'est un phénomène que nous avons mis sur le moyen et le long terme. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça, je veux dire. Mm-hmm. Pour qui ça n'a pas de réponse à elle, c'est parce que j'ai un pile monde dit à juste titre. Ça l'observe aujourd'hui, hein, c'est pas ou pas qu'à dire c'est un changement qui passe au niveau structurel de l'économie qui a provoqué ça. Mais explication ça n'a pas suffi non plus pour dire pas durable parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui disent ça qui passe aujourd'hui, il doit faire de façon artificielle.
pas gagné qui dit tout que l'étape augmenté arrivé à juste la 123, il va pas faire de façon artificielle tout. S'il était augmenté de façon artificielle, baisse, je veux dire que n'a observé un tarif en forme de correction qui a passé sous marché. Si son correction qu'on y a, l'autre question qui est le plus important, c'est jusqu'à quel niveau il a arrivé correction ça. Est-ce que nous arrivons par exemple à 70? Est-ce que nous arrivons à 60? Ou est politiquement il y a une organisation qui était même demandé pour nous arriver à 40? Mais pour ne pas dire pour se préciser la question ça. Mais comme son phénomène, en fait, taux de change dans son variable que m'a suivi, peut-être depuis environ 20, plus que 20 ans, j'ai évolué et m'analyse des semaines qui passent, tout historique que Banque Centrale a publié. Moi, je dois dire que il y a depuis probablement les années 2000-2002-2003, pas de gens, moi, par exemple, qui ont besoin de moins spéciaux pour un dollar américain qu'on a besoin de gouttes pour un dollar américain. Je veux dire, par exemple, ou ont besoin autour de 59 pesos pour un dollar américain. Donc, imaginez très difficilement que nous avons besoin de moins que 59 gouttes, par exemple, pour un dollar américain. Donc, ça a été une idée de juste qui côté que l'État est arrivé. Mais est-ce que l'app durable, je ne peux pas répondre et je ne pas croire que nous avons dit que le monde est l'app durable. Parce que je veux dire, là, Wendell, si vous avez acheté 1000 dollars, ou pour qu'on a quitté, on va payer. On résout très simple que la banque qui affiche 81 gouttes, il y a là de tout doux, c'est 50 dollars seulement, il y a pas. On dit par exemple, ou dans une situation, on parle qui est petit, qui a étudié à l'étranger. Chaque mois, le besoin de voyer 1500, 2000 dollars américains pour lui. Il faut le jouer nécessairement pour le voyer l'aller. Si le rive, qu'on y a banque l'affiche 81 gouttes, mais le demande de 1500 besoin, il dit qu'il faut payer la 100 gouttes, il va dire le choix, la obligé de payer la 100 gouttes. Donc, il faut que nous prenions du temps pour nous. Est-ce que la priorité est dans un niveau faible ça, ou bien est-ce que la pourrait augmenter encore? Et si la pourrait augmenter, dans quel niveau elle va le plus ou moins stationner, stabiliser pour les rester stable? Dis-moi, Thomas Lalime, est-ce qu'on a une idée de instruments ou encore outils que banques qui ont utilisé pour fixer toi. Est-ce qu'on a une information ça? Est-ce qu'on a une? Ça, c'est une excellente question pour poser banques. Et moi-même, pas j'aimerais vous comprendre pour qui ça, dans des situations côté que ou bien taux de change ou bien l'autre décision qui est liée directement à banques qui a fait actualité. Que par exemple, ou pas jamais en position de l'association professionnelle des banques, par exemple. Qu'on pas jamais en position de banque ou eux-mêmes. On pas gagner en idée de sous qui base on banque décider, par exemple, je veux dire là, l'été 85 goudes, et puis à midi, la 83 goudes, et à 4 heures, avant de fermer, la 81 goudes. On pas gagner qu'une idée sous qui base. D'ailleurs, je trouve difficile. Pour ta groupe base objective qui explique que non, seule journée, tu as diminué trois fois, par exemple, deux ou trois fois. C'est très difficile pour ta. Ouais, c'est sous qui base, qui raisonnement, qui calcul, qui fait, je ne pas guérir pour ça. Et je vais bien aimer recevoir un banquier qui est proche du secteur bancaire là, pour aider nous comprendre le phénomène ça. OK, pour nous finir, Thomas Lalime. Ou t'es dit tout à l'heure, ça qui a passé sous marché de change, là, c'est une sorte d'éclaircie dans une tempête. Sans que je pas invité à lancer une sorte de spéculation qui peut être capable négative ou positive, puisque c'est une éclaircie qu'on dit, est-ce que ça veut dire que opérateur, acteur, consommateur, t'as dû gagner que sauter, puisque cyclone allait, cyclone passé, mais cyclone tournait tout. Est-ce que ça veut dire que tu as supposé que tu as un pile d'inquiétude par rapport à l'avenir pour gens situation aujourd'hui, volatile, pour gens situation volatile aujourd'hui? En fait, je ne veux pas parler alarmant, mais il y a deux indicateurs qui montrent que nous sommes supposés très vigilants et observer attentivement ce qui a passé. Premier, c'est le fait que tout en baisse, c'est vrai, mais les banques ne peuvent pas les vendre et que dans certains cas, les banques ne peuvent pas les acheter. Donc, ça veut dire que c'est un indice qui montrait que vous malaise au marché. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'homme analyse série taux de change que Banque Centrale a publié depuis 90 jusqu'à aujourd'hui.
Moi, je me rends compte que il y a deux périodes où le taux de change a diminué de façon si significative. Une, c'était en août de 1994 et septembre 1994. Dans la période, ça, nous sommes ces périodes où il y a une confirmation que le président Aristide a pris le tourné, a pris le retour à l'ordre constitutionnel et que l'embargo a pris le levé. Donc, le SAOD était tout dans une situation où il y a un bon. Décision, changement politique qui était justifié, bon gros et appréciation de Goodla. Deuxième côté que moi, il était une appréciation significative, tout, c'était en mars 2004, tout, c'était période côté après départ forcé du président Aristide le 29 février 2004. Et le SAA, ça a passé, comme des gros franges dans le secteur privé qui était très hostile à président Aristide. Donc, il y a un peu de monde qui était prêt ça, qui laissé comprendre que tu as pris des changements et que qui t'a pris provoquer, en fait, on t'a une vague d'optimisme qui t'a fait mon comprendre que les choses ont changé. Mais je dis, il n'y a pas de gros événements comme ça qui passent, sauf ça qui passe, c'est BRH qui prend des mesures, ou bien injecter de l'eau, ou bien prendre ça sur votre banque. C'est le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de déficit budgétaire à outrance, j'en ai qu'on fait encore. Ou bien tous ces présidents qui peut-être font des menaces contre le secteur bancaire là, qui dit s'il y a manipulé tout, il y a besoin d'avèle. C'est juste ça, on y est, mais structurellement, on y est, sous l'échiquier politique, là, il y a de grands changements vraiment. Donc, nous, en situation comme ça, obligé de tenir encore quelques semaines pour garder qui ça va passer. Est-ce que la continue de baisser, si oui, jusqu'à qui côté? Ou bien est-ce que le bras le recommence à augmenter? Si oui, jusqu'à quel niveau la recommence à augmenter? Mais, dans la réponse à la question, ça, que je ne vais pas forcément gagner matin, hein, il est évident que, d'après l'opinion publique, là, t'es toujours une hypothèse que banque a fait spéculation, mais pas de évidence empirique et convaincante qui était pour montrer, bien qu'il a fait spéculation, mais pour qui ça? Et je veux dire, ça qui a passé là, il a presque constitué en forme d'évidence empirique pour me donner preuve que spéculation pour beaucoup là-dedans. Et si spéculation pour beaucoup, comme le monte, littéralement, il y a une grosse conséquence sur poche mounio et sur assiette mounio, eh bien, il est difficile pour moi qu'il décide si c'est à deux façons artificielles, il y a pour augmenter encore. Et que la population n'a pas juste été gardée comme ça, sans yon pas réagir au même tout. Parce que si on a mis compte que son monde ou bien son groupe monde qui a des possibilités d'augmenter leur vle, eh bien, à un certain moment, yon a dit mon nom, bah yon break, parce que leur augmenté a, il a affecté poche, il a affecté assiette. Merci infiniment, Thomas Lalime. C'est un plaisir pour nous t'étendre au matin. Et capable de tout vous préparer pour une prochaine émission, Le Point. Bientôt, nous allons prendre temps pour ça. Et d'autant que technologiquement, c'est très possible et plus que possible. Nous pouvons la matin. Hein. Vraiment, je suis content que tu es avec nous la matin. Hein. Jeudi 17 septembre pour participer à la rubrique Le Point en direct du Canada. Merci encore, Dr. Lalim Kembela, et puis à une prochaine occasion. Merci, Wendell. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Métropole qui t'attendent. Donc, c'est un plaisir pour m'avoir. Et moi, toujours disponible pour Le Point. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, notre invité, c'était Dr. Thomas Lalime. Merci de l'intérêt. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. L'actualité s'affole. Suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.